tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends aujourd'hui pour le nouveau vlogmas. Et comme vous aurez pu le voir dans le titre, du coup Maëlie va ouvrir ses cadeaux d'anniversaire. Donc c'est pas aujourd'hui, c'est samedi. Mais vu que ce week-end je les ai pas, donc du coup elle va ouvrir ça en avance. Je voulais pas qu'elle attende non plus jusqu'à dimanche. Donc voilà. Si vous me voyez avec une écharpe, c'est normal parce que j'ai un peu mal à mon cou. Donc je garde ça bien au chaud. Hop, le chéri, il est là. Et les enfants. Bonjour. Coucou Maëlie. Oh là là. Coucou. Coucou. Ça va? Les yeux en cadeau. Oh là là. Il y a plein de cadeaux dedans. Allez. Bon bah elle va ouvrir ça du coup. Allez, c'est parti. Va t'asseoir chérie. Il y aura plein de cadeaux pour elle. Alors, c'est bon Maëlie, t'es prête? Oui. Tu fermes tes yeux et tu pioches. Alors. Ouvre un peu plus. Voilà. On ne regarde pas. Tu pioches. Vas-y. Tu peux regarder. Wow. C'est quoi? Tu montres? Wow. Un puzzle de princesse. C'est super beau. Ensuite, il y a quoi? Ferme les yeux. C'est adorable. C'est quoi? C'est les 5 minutes de princesse. Comme les frères ils avaient, mais pour les princesses. Waouh! Bon. Tu montres? Tu montres, chérie? Waouh! Il y a quoi d'autre? Ça l'amuse. Bah oui, ça l'amuse de faire ça. Il y en a qu'un? Oh. Il y en a que trois? Non, il y en a encore deux. Oh. Ouh là là, c'est quoi? Oh, ouais! Oh. Oh, c'est la housse de couette Hello Kitty. Hello Kitty. Oh, t'es contente? Oui. Oui, tu montres? Ouh là là, oui. La belle housse de couette. La question que je me pose. Oui. C'est. Attends mes yeux. Ceux qui sont à vous, c'est lesquels? Bah attends, je vais te dire après. Et là, c'est quoi? Une Barbie. Oh, c'est un monsieur Barbie. Ah, tu voulais un monsieur? Oui, un mec. Un mec. Et tu vois, regarde, il y a quoi avec? Il y a un bébé. Il y a un bébé. Avec une cuillère et une serviette et un doudou. Oh, attends, va montrer. C'est un téléphone. Waouh. Et bah ça, c'est Tonton Ben qui a acheté. Tu dis merci à Tonton Ben à la caméra. Tu merci dis merci Tonton Ben. Oh, t'es trop mignonne. Donc, non, c'est bon. Donc là, c'est de la part de Tonton Ben. Et tout ça, c'est maman et Laurent. T'es contente? Oui. Oh, trop mignonne. Ça te plaît ma puce? Tu vas pouvoir aller jouer après. C'est vrai que le puzzle il est joli hein. Oh le puzzle. Mais je joue pas avec ça. Ah bah non, ça c'est pour faire dodo. C'est bon, t'es contente? Tu veux quand on va être. Allez, bon bah je crois qu'elle est contente hein. Bon bah on va vous reprendre un petit peu plus tard. Non. À tout à l'heure. 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 Et heureux tout le monde, du coup je vous reprends, il est... Je sais même pas quelle heure il est. 21h39. Ok. j'ai gardé mon écharpe parce que j'ai encore mal au cou. Je me suis mis en combi. Ça je suis bien, tranquille pépère. Du coup je vous reprends, oui on va clôturer, mais je voulais revenir sur quelques petits trucs avant, notamment sur la journée du chéri. Avant que tu veux. Bah vas-y, du coup il va vous expliquer, comme ça il va... Bonjour de vlog, parce que vous m'avez pas vu. Si, vu de fait tout à l'heure. Quand oui, vraiment vite fait. Du coup, je vais vous expliquer la journée que j'ai eue. C'est une journée de merde, mais littéralement de vraiment de merde. Je suis arrivé ce matin 3 minutes en avance, comme je fais tous les matins. Donc ça, rien de spécial et tout ça, rien de grave. Après, j'attends mon collègue. J'attends, je vois qu'il n'arrive pas et tout ça, je me suis dit, c'est pas dans son habitude. Et au final, il est arrivé une heure en retard. Donc on a perdu vachement de temps sur le boulot. Et à cause de ça, je me suis pris bien la gueule. Et à tous les collègues qui sont pris à moi, parce que soi-disant, je faisais mal le boulot. En fait, c'est parce que toi, t'avais. Enfin, je te coupe. C'est une technique différente des autres, en fait. Voilà. Alors que finalement, le boulot. C'est la même chose. Voilà, c'est la même. C'est le même rendu. Voilà, c'est ça. Sauf que toi, tu procèdes différemment. Par exemple, pour porter l'épaule, tu fais d'une manière que eux ne font pas. C'est ça. Et en fait, ils n'ont pas du tout apprécié ça.
Et C'est un comme, peu débile, mais... moi, vu que je n'ai pas l'habitude et que je suis encore un débutant, ça arrivait que les bacs, parce que nous, on a un système d'envoi de bacs par un tapis, et ça arrivait que des fois, les bacs, ils se mettent de travers. Et du coup, bien, ça bloque les bacs de l'autre côté. Et bien, ils sont après à moi, parce que ça soit disant, c'est à cause de moi que les bacs, ils se sont coincés. Du coup... C'est pas mal fini là. Je continue ma journée et Ils t'ont au changé fil. de poste? Ouais, on m'a changé quand même de poste. Mon responsable, il m'a littéralement chopé devant tout le monde. Il m'a dit bon, tu changes de poste, c'est trop compliqué pour toi, t'as rien à faire ici. J'ai fait d'accord, je vais où? Non, mais t'inquiète pas, on va te mettre dans un autre secteur. Je suis allé dans un secteur donc pour les conditionnements. Ouais, mais conditionnement de barquette, c'est ça? Ouais, barquette surgelée. Comment dire qu'il faisait moins 2 dans les Oui, affaires. en plus il faisait moins 2. Et d'après ce que tu m'as dit, c'est qu'ils t'ont pas donné l'équipement adapté. Non, mais il m'a rien T'es donné. resté avec ton équipement de base que t'avais C'est quand t'étais aux ça, épaules. c'est ça. Donc en gros, bah tu te caillais bien les miches, Monsieur. quoi. Oui, littéralement, il s'est littéralement caillé les couilles, C'est littéralement. le cas de le dire. Ouais. Du coup, On a j'ai pu eu faire une des journée. glaçons avec. Je crois que je répète les claques comme ça pour faire des claques. C'est pour La gaspiller. grave. Donc, enfin, bref, j'ai eu une journée de merde. Et puis bah finalement bah vous vous en doutez, bah ils l'ont viré. Oui, déjà. Ah, elle n'oublie pas de rire sur Ah, la il n'y a plus de lampe. batterie sur la lampe? Il D'accord. Oh non! faut qu'on Ah fasse bah un désolé, hein. recharge. Bon bah ça a changé de lumière d'un coup. Désolé, Du hein, il n'y a coup, plus de batterie sur la LED. au final, mon responsable m'a dit tu vas aller voir la personne pour faire signer ton rupture de contrat. Fait, comment ça? Oui, parce que t'es viré en fait. Ah, Moi, je trouve d'accord. ça dégueulasse qu'il te laisse pas de chance en fait C'est ça. d'aller à différents postes, parce que peut-être que oui, il avait raison, ce poste-là ne te convenait pas, mais dans ces cas-là, qu'il te fasse tester un autre poste, parce que le poste, le si peu que tu as pu voir et tester, c'était plus tranquille déjà. Non, c'est normal, L'ambiance était beaucoup plus il y avait une bonne tranquille. ambiance et tout ça, on Voilà, c'était rigolait entre c'est ça. nous. Donc moi, je trouve ça débile en fait, ils auraient pu au moins te laisser ta dernière journée de demain, qui te laisse tester à l'endroit où tu étais, là où il faisait moins 2. Enfin, après, ce n'est que mon avis, hein, mais enfin voilà. Moi, je trouve ça un peu débile. Enfin, c'est comme ça te fera ça en plus à mettre sur ton CV, mais je trouve ça. Ouais. Bah, c'est dommage, quoi, parce que franchement, on y comptait vachement. Enfin, je vais vous reprendre là, parce que je parle d'anglais, sinon. On comptait vachement sur ça, du coup. C'est vrai qu'on s'était dit, bah yes, enfin, il va y avoir quelque chose, donc. On est de nouveau des parasites, hein, voilà, comme on nous a dit. Merci encore, hein, pour tous les gentils commentaires. Avec tout ce que j'ai vu, je me suis dit, bon, bah, finalement, on n'est pas les parasites. Hein. Moi, j'ai un petit truc à vous dire pour les gens qui nous disent qu'on est des parasites. Et bien, on vous emmerde, mais bien profond. Ouais, Voilà. c'est clair. Et puis même, comme j'ai pu voir dans certains commentaires, qui aujourd'hui ne touche pas un minimum d'aide, en fait, même quand on travaille, on touche une C'est prime. ça. Donc en fait, on dépend tous soit du RSA ou d'une prime ou de quelque chose, en fait. Sauf vraiment les personnes qui touchent 10 000 euros par mois. Mais encore. Après, oui, et encore, même, enfin, je veux dire, ces personnes-là, à partir du moment où tu touches 10 000 euros par mois, enfin, je veux dire, si on te met des aides en plus derrière, enfin, je trouve ça un peu abusé quand même. Ça Enfin. arrive que tu travailles en fait Bah, en dans ce fait, cas-là. ouais, enfin, non, je sais pas, tu touches déjà 10 000 euros, c'est déjà, enfin, beaucoup, quoi. Moi, je touche 10 000 euros, je demande pas à avoir des aides derrière, quoi. Enfin, voilà. Et sinon, je voulais revenir sur quoi? C'était sur quoi déjà? Ah oui. Du coup, l'épisode technicien. On en revient à ça parce que normalement, il devait passer aujourd'hui. Vous allez vous dire, non, c'est pas sérieux, il est pas encore passé. Alors, c'était entre 8 h et midi. Donc je me suis dit, bon, ils vont pas passer dès 8 h le matin, ça m'étonnerait.
Donc le chéri était déjà au travail. Moi je pars vers. Alors je commence à préparer les enfants avec le manteau, l'écharpe, à commencer à les attacher dans la voiture, vers 8h10 à peu près. Donc le temps que je fasse ça tranquillement, on part tranquillement, il est à peine 15. Et du coup je me suis dit bon après je rentre direct. Vers 40 je suis rentrée. Je me suis dit je vais quand même regarder dans la boîte aux lettres s'il n'y a pas un avis de passage. Je sais pas, j'avais un doute un petit. Pressentiment. Ouais, c'est ça. J'ouvre la boîte aux lettres, je fais. Avis de passage, je fais. Ok, d'accord, super. Il y a Maëlie qui parle à côté, je crois, ou Noël. Je fais ok, je regarde. 8h24. Du coup, je fais comment je fais? Je rappelle pas. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, c'est pas grave, laisse tomber. Donc, finalement, on va laisser tomber, puis on verra. Hein, si vraiment on veut utiliser les prises internet dans les chambres ou quoi que ce soit, on verra en temps et en heure. Parce que sinon, on a une très bonne connexion, donc voilà, on va pas non plus chipoter pour ça. Mais comme par hasard, quoi. C'était quoi ce bruit? Je sais pas. Quelque chose qui est tombé, je sais pas c'est quoi. Voilà, donc. C'est un peu débile, enfin, quand ils nous donnent une marge toute la journée, il n'est pas fichu de passer. Et quand ils nous mettent une toute petite marge, comme par hasard, ils passent quand on n'est pas là. Enfin bon, on va laisser tomber. Peut-être que c'est fait exprès. Ouais, c'est ça. Enfin bon, voilà. Bah, moi, je vais vous laisser là. J'ai vraiment trop mal au cou. Putain. Alors, je sais pas si c'est à cause de mon coussin ou quoi que ce soit, ou j'ai attrapé un coup de froid au cou, mais c'est chiant. Voilà, donc du coup, bah, on va vous laisser là. On espère que ce vlog vous aura plu. Donc, la chienne, je la vois, elle est en train de dormir, elle est là. Je suis en train de parler juste au-dessus d'elle comme ça. Elle bouge même Elle est pas. trop mignonne. On espère qu'il vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dès demain pour le vlogmas numéro. Je sais plus quel jour on est demain. 17? Normalement oui, c'est Je crois que c'est 17. ça. Je ne sais plus. Oui. Numéro 17 demain. Voilà. Donc on vous fait des bisous et on vous dit à demain pour le prochain vlogmas. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao! Ciao!